Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon placard, c'est Dupont et Dupont avec Anderson Roux pour vous parler de Podfic. Bonjour Anders. Salut, salut. Alors qu'est-ce que c'est exactement un Podfic? Alors il s'agit en fait d'une fanfiction qui est lue par une personne à voix haute et enregistrée sur un support pour qu'on puisse l'écouter. En fait c'est comme un livre audio mais pour les fanfictions. C'est ça. Et donc du coup, toi, tu as lancé un projet pour enregistrer plein de podfic, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est plutôt sur AO3, du coup, Archive of Own, qui est un site, une plateforme de fanfiction, mais qui peut aussi accueillir des formats vidéo ou audio. Et donc j'ai ce projet-là, qui s'appelle le projet Podfic francophone. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les podfics sont très développés dans le milieu anglophone. Il y en a énormément. Il y en a qui sont très bonne qualité, avec des ambiances sonores qui sont extraordinaires. Et en français, il y en a très très peu. Tout à fait. C'est un peu le désert. Et c'est à la suite de cette constatation que moi et Dupont, on a décidé de lancer ce petit projet à destination à la fois des personnes qui aiment entendre des podfics, tout simplement, ou aussi à la... pour des gens qui parlent pas très bien le français et qui veulent s'entraîner, et puis des personnes malvoyantes également. Alors du coup, pour retrouver la page, ce sera dans le lien dans la description de toute façon, mais donc c'est le projet Podfic en français, et on peut aussi y participer. Oui, alors il y a plusieurs moyens de participer. D'une part, si vous êtes auteur de fanfiction, vous pouvez donner votre accord pour qu'on puisse faire des podfic de vos fanfictions. Pour cela, il suffit juste de donner de votre accord, donner votre pseudo et puis le lien vers votre profil d'auteur de fanfic pour qu'on ait le lien de votre fanfiction. Une liste avec tous les auteurs qui sont d'accord pour que leur fic soit enregistrée. Tout à fait, cette liste est d'ailleurs disponible sur le projet. La page du projet, oui. Voilà. Et puis, sinon, on recherche bien entendu des gens pour enregistrer des podfics. Donc, de lire à voix haute avec un matériel d'enregistrement. Alors, ça peut être très, très varié. On peut utiliser le téléphone, on peut utiliser un magnétophone, on peut utiliser ce qu'on veut. La seule contrainte, c'est que ce soit audible. Et donc, d'enregistrer des podfics en français. Voilà, donc si vous avez besoin de n'importe quel conseil pour un enregistrement, vous pouvez contacter Anders ou moi ou Dupont et Dupont pour que l'on peut vous aider d'un point de vue technique, pour vous encourager aussi à faire des podfics. Et puis c'est tout ce qu'on avait à dire. Exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à venir écouter des podfics sur la page et puis nous contacter si vous en avez fait ou si vous voulez en faire ou si vous donnez votre accord pour que des podfics soient faits sur vos fics. Voilà, salut. Au revoir.